Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Mon nom est José Chinaï de Tafeu, je suis formateur, propulseur de destinée. J'accompagne les entrepreneurs et chefs d'entreprise dans leur prise de parole en public en les aidant à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et inoubliables. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'effet halo. Eh bah oui, nous parlerons de l'effet halo. Oui. Allô, comme lorsque tu décroches le téléphone, tu dis allô. Vous savez, certaines fois, lorsqu'on décroche au téléphone et qu'on dit allô, si nous parlons avec des personnes qui ont l'habitude de nous entendre, de par notre manière de dire allô, les personnes sauront si nous sommes contents, si nous sommes fâchés, si nous sommes tristes et si nous sommes joyeux. Pour la petite histoire, il n'y a pas très longtemps, quand je suis revenu d'Allemagne, j'ai appelé Valère et je lui ai dit allô. Il me dit, gars, tu sors d'où avec la voix comme ça là? Tu as attrapé le rhume là où? Ensuite, on a continué à échanger. Vous voyez, juste par mon halo, il a su que je ne me sentais pas bien et que j'avais le rhume. C'est la même chose pour un entrepreneur ou pour un vendeur qui ne prend pas soin ou alors qui ne connaît même pas qu'il existe l'effet halo. Qu'est-ce que l'effet halo? L'effet halo, c'est la première chose qu'on voit d'un orateur. C'est la première sensation, le premier sentiment, le premier hic qu'on ressent au contact d'un produit. Ah oui, parce que tu as ton premier produit. C'est pour ça que les grandes marques investissent sur le packaging de leurs produits. Je ne veux pas faire leur publicité ici, mais nous savons. Quand tu vois le produit, tu es prêt à dépenser une fortune pour l'avoir. Bah dites-vous que c'est la même chose pour les entrepreneurs et pour les vendeurs. Lorsqu'on te voit comme produit, qu'est-ce que nous on ressent? L'effet halo donc pour un entrepreneur ou pour un vendeur, c'est son apparence physique, c'est sa posture, c'est sa gestuelle, c'est la manière avec laquelle il est vêtu, la manière avec laquelle il agence ses mouvements, ce qu'il fait. Tout cela contribue à embellir son effet halo. Et dans le cadre du marketing, on a appelé cela le personal branding. Et bah oui, il est important de réussir ton effet halo. Alors, si tu veux savoir d'autres éléments ou alors les condiments qui permettent de réussir à coup sûr ton effet halo, rejoins notre masterclass samedi 6 novembre 2021 à 14h Paris. Je ne serai pas seul, nous serons nombreux et je serai avec le chercheur d'argent, l'écrivain Valère Bélias, auteur du livre « Les pauvres sont égoïstes ». Les gars, cessons l'égoïsme et retrouvons-nous samedi à 14h de Paris. D'ici là, enregistrons-nous et retrouvons-nous masterclass. Ciao!